Saint-Esprit, fais-nous la bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais ce qui devient réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père, psaume 118, strophe 10. Aimement façonné pour méditer ta parole. Fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité, que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que maintienne ta tendresse, je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes, que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage, que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné, ô Maître.
Psaume 14. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, il ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur, qui jure à ses dépens sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne branchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est moi, c'est toi, mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays, ceux qui s'attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma paix d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque à l'emploi de l'hélice. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Lui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent, oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute, Israël, les préceptes de vie, dont l'oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui
est entré en ces trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, qui passa à la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un don très pur. Nul ne connaît sa voix, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Et l'a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De frères Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. Alors tout prend un sens. Notre vie est rendue à l'espérance. Nous avançons dans la paix. Nous croyons à l'éternité de l'amour. La lumière issue de la résurrection du Christ emplit nos cœurs de joie. Nous comprenons enfin le sens de notre baptême. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Alors non, la mort n'est plus mortelle. Elle n'est que le seuil tout en haut de l'escalier, au-delà duquel nous tomberons enfin dans les bras du Père. C'est écrit. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Ne faut-il pas qu'en nous aussi l'Écriture s'accomplisse ?
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, qui est ce Moïse qui nous parle aujourd'hui ? Le voici qui se tient debout entre le peuple et Dieu, le cœur plein de la promesse de Dieu pour Israël, il s'en fait le porte-parole. Le cœur plein de la promesse du peuple pour le Seigneur, il s'en fait le garant. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu et toi, tu suivras ses chemins. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Toi, tu seras son peuple consacré et lui te fera dépasser en gloire toutes les nations qu'il a faites. Double déclaration solennelle, une déclaration d'amour mutuel. Oui, frères et sœurs, et bien plus encore, ce que nous entendons aujourd'hui à travers cette page biblique, c'est un véritable pacte d'alliance conclu pour toujours entre Dieu et les hommes de tous les temps et nous-mêmes ici. Un pacte qui requiert tout de notre cœur, de notre âme, de notre vie, en réponse à la promesse du Seigneur « Je serai votre Dieu ». Moïse se dresse ici comme un véritable témoin des noces de Dieu avec l'humanité, un ami de l'époux, et un témoin, un ami qui parle, qui rappelle les exigences de l'amour, qui les répète solennellement pour qu'elles s'enracinent dans les cœurs. Garde les commandements. Écoute la voix de ton Seigneur, par amour, car l'amour ne passera jamais. Or, voici que se dresse parmi nous un nouveau Moïse, Jésus, le témoin fidèle et vrai, l'ami indéfectible, médiateur unique entre les hommes et Dieu. Car il n'est plus seulement le porte-parole de Dieu et le garant du peuple, il est la parole même de Dieu. Il est le Fils de l'homme venu tout réconcilier dans sa propre personne, en sa chair. Le Christ Jésus qui donne sa vie pour nous. Car si du côté de Dieu l'amour est sans faille et absolu, de notre côté, nous expérimentons, hélas, trop souvent, nos tiédeurs, nos lenteurs, nos dispersions, en un mot, notre inconstance. Qui nous délivrera de nos infidélités ? Qui nous enracinera ? Qui enracinera l'authenticité dans nos cœurs ? Le Christ Jésus, frères et sœurs, se dresse entre ciel et terre, comme le témoin véridique de la miséricorde du Père pour nous et comme le témoin fidèle
de notre aspiration vers Dieu. En vérité, il est, lui, le sauveur de notre amour, pas seulement un témoin, mais le sauveur. Seigneur Jésus, ami des hommes, tu es allé jusqu'à répandre ton sang sur la croix, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé en rémission de nos fautes. Puisque tu nous as tant aimés, puissions-nous t'aimer, nous aussi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie. Justice des condamnés, libérateur des prisonniers, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Toi, Père des pauvres, donateur de vie, viens visiter le pauvre de pain, le pauvre d'amour, viens Esprit de Dieu. Crions-nous l'urgence d'aimer, viens visiter notre assemblée, sans toi il n'y a rien dans l'homme, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Yeah.